Je te crois. D'accord. Hey, on est en décembre 2018. On vient de tomber en vacances de Noël. Puis on a décidé de partir faire un road trip en Floride. On espère se rendre jusqu'à Key West. Alors, les valises sont prêtes. On est parti. On a même acheté un matelas de futon qu'on a mis dans notre Mazda. Puis c'est comme ça qu'on va vivre les 21 prochains jours. Et on est où, ça, Simonis? Pécan. Oh my God, on a faim. Dis bonjour, chérie. Père Noël, Maman Noël. Le soleil. Ouais, ben, même pas 8 heures, puis on a arrêté. On a arrêté dans une station de service. On vient d'arrêter dans une station service, puis en rentrant, on voit un vieux jeu vidéo, Space Invader, puis Dess n'arrêtait pas de me dire que quand il était jeune, il était imbattable. Alors moi, j'ai dit, faut que tu t'offres minimum 30 minutes, mais après 2-3 minutes, il était déjà game over. Alors on a bien ri, puis ben on continue. On est présentement en route et on vient de passer les Carolines. On a fait un arrêt à South of the Border. À rentrer dans la Floride. Oh, la chaleur commence à se faire sentir et on commence à voir des palmiers. On est passé près de Sainte-Augustine et présentement, on essaie d'éviter les grandes autoroutes et on s'arrête à plusieurs petites plages. Oui. Il y a des pingouins sur le bord. Bien, il fait chaud. Les palmiers, ben, il y en a de plus en plus. On vient de faire un arrêt à la super belle plage de Daytona. Puis on ne voulait pas manquer ça. Et ce qui est le fun avec Dess, c'est que quand on roule en auto, on arrête où on veut, quand on veut, puis on profite du moment présent. C'est mouillé? Oui! Chérie, jump! Saute! Saute! Oui!
s'installait. Ça, là, c'est vraiment cool, là. Non, mais checkez ça, là. On est Noël, puis c'est pas dans la neige, c'est dans le sable. Ouais, je pense qu'il est mangé. Papa, j'ai dit s'il reste un peu. Regarde ici aussi. Check, ça c'est Haute Augustine. Hier, c'était une journée de plage, puis aujourd'hui, on s'en va faire un arrêt à Cap Canaveral. En fait, on s'en va visiter Kennedy Space Center. C'est pas un parc d'attractions. En fait, ben, c'est une place pour les passionnés comme Dess par la conquête de l'espace et par les fusées. On visite les prototypes et les voitures sur Mars, puis on fait un arrêt au jardin des fusées ou le Rocket Garden. Chérie, c'est bon. Je mange pas pour. C'est bon. Alors, on a acheté de la crème glacée de l'espace. Ready to eat. Space food. Aucune idée que ça goûte cette affaire-là. Ça nous fait la crème glacée. Ouh, il vole dans le ciel. Oh, c'est une crème glacée pour vrai, là. Ça sent bon. Quand même. Ah, c'est vrai, une vraie sandwich à crème glacée, là. Oui, c'est déshydraté. Ben, oui, mais je pensais pas. Je pensais qu'elle serait en mouton ou en... Mouton? Ben, tu sais, en mélangé. Ça sent bon. Oui, c'est sûr. Ah, je veux voir ta face. Qu'est-ce que ça goûte? Qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte crème glacée. Vas-y. Ouais, qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte sec. Ouais. C'est quoi? Un coup que la bave avait la salée ce mélange. Ouais. C'est quoi? On va le mouiller, ça va être bon. Non, c'est bon. C'est cool, ça. Ça me fait penser quand on mange... Il est décongelé à moins 40 Fahrenheit. On va penser que la petite réponse. Il y a une boule. I didn't bring my Vinny Crosby t-shirt, so you can act like this. A Marine Christmas. A Melee Tolkien Mountain Christmas. Of course, that's Hawaii. That's okay. Tropical in Florida, right? Yeah. Works. It's tropical and it's tropical. Allô, allô! Alors, on est dans la magie de Disney, on est la veille de Noël, c'est magique, c'est féerique, on est ensemble, puis en plus, c'est la première fois que Dess a la possibilité de voir la magie de Disney de ses vrais yeux. Donc, on profite, on regarde, puis on est dans l'ambiance. La madame a dit que c'était de la salade, là, mais pas mal mangée. Salade d'algues de je sais pas quoi. C'est pas méchant, là. Faut pas y aller avec la bouche parce que c'est un petit peu bizarre. Puis là, je viens d'avoir un cours sur des baguettes. Tess vient de me dire, attends-moi, je m'en vais chercher à souper. Alors, moi, je l'attends. Puis quand il est revenu, il dit, j'ai pris une salade. J'étais contente. La madame, elle m'a dit qu'il restait de la salade. Mais quand j'ai ouvert la salade, j'ai dit à Dej, je pense que ta salade est plus bonne, hein? Ça avait l'air d'une salade qui avait resté longtemps sur le comptoir, vraiment bizarre. Il m'a dit non, goûte-y avant. Fait que j'ai goûté, vraiment étrange. J'ai jamais été aussi déstabilisée dans ma vie que ça. Puis avec des baguettes, ben coudonc, ça fait un bon combo, hein? Alors, une salade d'algues, pour moi, c'est quelque chose que j'avais jamais goûté. Là, c'est de la salade qu'on laissait longtemps dans le fond du frigo.
pas sûr que c'était une bière. C'est comme orange. Déstabilisé. Là, là, t'as mangé quelque chose que j'ai. La texture. Ça fait gros crunch. Comme des crevettes. Écoute, le pain d'affaires, j'ai pas goûté dans la vie, là. Chérie, je pense que j'ai pas assez de batterie pour te... J'ai dit pas que tu es comme un mix, donc ça comme une V. Ok, ça vous montrez comment vous ne devez pas le faire. Tu quittes ta prends? Thomas, c'est bon là. Non. Magique d'être ici. On n'est pas dans les centres thématiques, mais quand même, on peut voir que il y a de la magie de Noël. On est dans le Disney Spring, qui est comme un ajout à côté du Walt Disney World à Orlando. Alors, on profite de la magie de Disney, puis accompagné de celui qu'on aime, c'est toujours magique. On est dans un char en Floride. On est le 24 au soir. Il est presque minuit. Ouais! Demain matin, pour avant, à place de me laver les dents, vu que j'ai pas d'eau, je vais pouvoir faire une canne de bonbons. Joyeux Noël! Là, c'est du sable, c'est pas de la neige! Là, c'est blanc, mais c'est... Je l'aime, celle-là. Oui, je te crois. Mais c'est correct, mais pas la sable. Hein? Mais c'est correct, mais pas la sable. On est en Floride! On the beach! To the beach! To the beach! Oui, ça!
Mr. Bean, on peut faire ça aussi. Alors, c'est à peu près ça. Dans le prochain épisode, on poursuit notre road trip vers Key West et on s'arrête visiter les Everglades, les crocodiles, et on se fait un peu chicaner d'avoir... Ah ben, vous le saurez la prochaine fois. Si vous avez aimé, cliquez sur « J'aime » et partagez avec vos amis. Parce qu'on veut continuer à voyager longtemps et aussi parce que vous êtes important. À la prochaine!